la Fondation Chirac mobilise les acteurs. La Fondation Chirac n'amène pas de solution en elle-même, mais elle a été à l'initiative d'un forum qui a été un premier pas vers le séminaire qui s'est tenu, ou la conférence qui s'est tenue ici à Marseille. Ce premier pas, c'était un forum qui s'est tenu à Bamako en octobre. Et de ce forum sont sortis des engagements qui peuvent être appelés des solutions, c'est-à-dire du concret. Les engagements qui ont été pris et qui ont été lus à l'issue de la conférence de ce jour par M. Idriss Déby, le président de la République du Tchad, ces engagements portent sur, d'une part, engagement des chefs d'État de la région du bassin du Niger à adhérer à la charte de l'ONU sur les bassins transfrontaliers, ce qui est une avancée très importante, et également à appliquer la charte du bassin du Niger qui fixe un certain nombre d'obligations aux États, en particulier celle d'appliquer le principe pollueur-payeur. Des solutions ont été aussi évoquées et apportées dans le domaine du financement, ce que Michel Candessus a appelé une révolution copernicienne, c'est-à-dire que le moteur du financement ne vienne pas de l'extérieur mais de l'intérieur du pays, que ce qui appelle les financements des bailleurs internationaux soit d'abord une mobilisation du pays lui-même et une inscription dans ses propres budgets de son engagement pour l'eau et pour l'assainissement. Et puis je voudrais citer aussi des engagements en matière d'assainissement. Nous avons entendu M. le ministre Habib Ouane, ministre de l'eau et de l'énergie du Mali, en parler avec beaucoup de conviction et dire combien il avait été lui-même impacté à Bamako par cette prise de conscience et combien lui-même en faisait aujourd'hui une des priorités de son action ministérielle au Mali. C'est le rôle de la Fondation Chirac qui est capable de mobiliser des personnes capables de mettre en œuvre et de rassembler des expertises de très haut niveau qui sont elles aussi capables de faire sortir des solutions et de faire en gros un lien entre le très haut et le terrain, entre ceux qui ont le pouvoir de décision et le concret de l'action.